Merci Alban pour cette présentation qui me fait rougir, mais puisque tu le dis, qui est peut-être exact. Bon, acceptons-en l'augure. En tout cas, merci infiniment pour votre invitation qui me permet de, j'allais dire, de poursuivre une coopération que, entre Strasbourg et puis Laval, qui à maints égards est exemplaire, puisque je crois que nous avons une codiplomation au niveau du master, hein, c'est bien ça, ce qui nous permet de voir de temps en temps des étudiants de Laval à Strasbourg et vous de voir nos étudiants à Québec. C'est très bien, je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie, peut-être même l'amplifier. Nous avons intérêt dans nos disciplines à nous serrer les coudes, même si c'est un peu difficile toujours physiquement d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mais enfin, nous sommes en liaison les uns avec les autres. Alors, comme tu l'as rappelé, et ça a souvent d'ailleurs un peu surpris beaucoup de mes collègues, parce que je ne sais pas pourquoi, une fois qu'on a une étiquette, on vous la colle jusqu'à la fin de vos jours. J'ai été estampillé spécialiste de religion romaine, je ne suis d'ailleurs pas le seul, hein, il y en a d'autres également. Et puis, un peu de philosophie aussi, ça on veut bien me l'accorder. Et alors, quand on voit Yves Lehmann, l'encyclopédisme, on se demande, mais qu'est-ce qui le prend à la fin de sa carrière de vouloir embrasser cette grande question. Outre le fait que l'encyclopédisme relève à bien des égards aussi de la philosophie, hein, nous allons rappeler à travers l'œuvre d'Aristote, qui est le point de départ de ma réflexion. Mais enfin, j'ai eu quelques discussions lorsque nous avons été évalués. Mais comment se fait-il donc que vous, spécialiste de religion romaine, vous fassiez, etc. Mais je dis, écoutez, dans une vie humaine, on a le droit d'évoluer. Et puis, mais je vais tout de même vous expliquer simplement, si vous voulez, le fait que, en fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est une réflexion qui est née de la conscience, parce que je me suis interrogé à un moment donné de mes recherches sur la religion de Varron, la philosophie, etc., sur le fait que Varron a été le premier grand théologien d'envergure de l'Antiquité païenne et romaine en particulier, qui a essayé d'embrasser dans une vaste synthèse le fait religieux et même, à certains égards, le phénomène religieux. Mais qu'à côté de cet encyclopédisme qu'on pourrait qualifier de religieux, de sacré, il y avait aussi un encyclopédisme profane. Et personne, je dois dire, même moi, quand j'ai soutenu ma thèse, et je m'en veux rétrospectivement, mais le jury n'a rien vu, il m'a fait aucune remarque, ils n'ont strictement rien compris, à mon avis, à la profondeur de cette histoire-là, heureusement pour moi. Je ne crois pas avoir dit des choses fausses dans ma thèse, mais la mise en perspective m'oblige maintenant à dire que l'encyclopédisme sacré et religieux de Varron ne peut se comprendre qu'en liaison avec l'encyclopédisme profane, dont il est en quelque sorte le prolongement. Dans une dialectique que j'ai rappelée d'ailleurs vendredi après-midi, qui va de l'étude des choses invisibles à la connaissance, non, de l'étude des choses visibles à la connaissance des choses invisibles. De visibilibus ad invisibilia. Et c'est là qu'on peut justifier. Alors, je n'ai pas inventé ça hein, parce que je m'intéresse maintenant à ça, mais je crois profondément que pour avoir une vision complète de la pensée de Varron et des varroniens de sa génération, il faut bien prendre conscience que l'étude, par exemple, de la physique, de la botanique, de la zoologie, etc., sont en fait des propédeutiques à la connaissance du monde intelligible et de ce Dieu unique quasiment, parce qu'au fond Varron était un monothéiste philosophique, de ce Dieu unique qui gouverne l'univers et l'univers visible également. Donc c'est pas du tout... voilà. Je tenais à faire cette mise au point pour que vous compreniez que l'intérêt que j'ai en fin de carrière maintenant à cet encyclopédisme profane n'est pas une lubie, si vous voulez, momentanée, mais que ça correspond à une vision que j'ai. Et puis, ça s'explique aussi par le fait que, j'allais dire, l'œuvre de Varron est tellement, tellement vaste, tellement... il a à peu près abordé tous les domaines que
ça ne peut se concevoir que dans une perspective aristotélicienne et encyclopédique. Donc mon introduction a été un petit peu longue, mais enfin c'est pour un peu justifier, si vous voulez, le fait que je m'intéresse à ça. Alors je vous ai distribué, envoyer le texte, qui sera pour l'essentiel ce que je vais dire, parce que c'est plus simple pour vous d'avoir ça, il y a des choses compliquées, ça m'évite d'aller au tableau, d'écrire les noms, etc. Mais je ne m'interdis pas, chemin faisant, de compléter un peu des choses que on ne peut pas tout dire dans un polycope. J'ai eu quelques scrupules à le faire, parce que je me suis dit, après tout, je viens leur distribuer ça, puis je m'en vais, au revoir, lisez ça chez vous. Mais il y aura tout de même des choses à dire encore et à ajouter. S'il est vrai que dans le monde hellénistique, la connaissance n'a jamais vraiment renoncé à son intention encyclopédique, l'œuvre d'Aristote résume et symbolise à elle toute seule cette exigence fondamentale de l'esprit grec qui n'a pas manqué de s'y reconnaître. De fait, la somme ainsi constituée entend être un édifice total de la connaissance, allant de l'histoire des animaux à la rhétorique et à la poétique, de la logique avec les premiers et les seconds analytiques à la métaphysique, de la physique à la morale, je pense à l'éthique à Eudème et à l'éthique à Nicomaque, ainsi qu'aux politiques, on met ça maintenant au pluriel, ta politica, d'Aristote, pour ne citer que les principaux ouvrages conservés du corpus aristotélicien. Il n'est pas sans importance que cette immense activité de classification du réel, commencée par le Stagirite et poursuivie par ses disciples, se soit déployée dans un monde que les conquêtes d'Alexandre venaient d'ouvrir largement vers l'Asie et vers l'Afrique. L'ambition encyclopédique se trouvait ainsi en face d'un domaine presque infini dont il fallait entreprendre l'inventaire. Un trait dominant de l'âge hellénistique, rassurez-vous, nous arriverons à Rome, hein, mais je pense qu'il faut absolument faire remonter les choses à l'époque hellénistique et grecque. Un trait dominant de l'âge hellénistique est le rôle du document écrit, et plus particulièrement du livre. C'est l'époque des premières grandes bibliothèques. Je crois qu'on ne peut jamais dissocier l'étude de l'encyclopédisme, dans l'Antiquité en particulier, de celle des bibliothèques. D'abord, la bibliothèque qu'Aristote et après lui, Théophraste, rassemblèrent à Athènes à l'occasion de leurs enseignements et de leurs recherches. Puis, surtout, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie que Ptolémée Ier créa dans les premières années du IIIe siècle avant notre ère avec l'aide de Démétrios de Phalère. C'était une annexe de ce sanctuaire des muses. C'est important ça, la contiguïté entre la bibliothèque d'Alexandrie et le Mousseion, le sanctuaire des muses, que le monarque Lagide avait fondé à côté de son palais, pour y réunir auprès de lui écrivains et savants à qui ses libéralités permettaient de se consacrer sans réserve à la science et aux belles lettres. C'est l'avenir que je vous souhaite à tous, aux philologues, n'est-ce pas ? Une politique d'achat systématique augmenta rapidement les collections d'ouvrages ainsi formées. Une partie de la bibliothèque d'Aristote lui-même fut acquise en 286. Et l'administration de l'établissement était confiée à des érudits particulièrement illustres. Je ne vais pas vous les citer tous, mais enfin, quelques-uns. Le premier fut Zénodote d'Éphèse, éminent spécialiste des poèmes homériques. Le poète Apollonios de Rhodes, le savant Ératosthène, le philologue Aristophane de Byzance, qui est d'ailleurs abondamment cité par Varron dans le De Lingua Latina, occupèrent par la suite cette place de confiance et veillèrent à enrichir sans cesse la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui avec celle du sanctuaire de Sérapis dans la même ville, compta bientôt 500 000 volumes. Elle en possédait, d'après les spécialistes, 700 000, quand un incendie la consuma, vous le savez, lors de la révolte contre César. Je vous renvoie à la guerre civile de César. Aucun autre établissement ne rassembla pareille richesse jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les volumes ou rouleaux de papyrus étaient soigneusement classés et rangés dans des casiers ou armoires murales,
selon un ordre à la fois logique, par discipline, et alphabétique, par nom d'auteur. Des catalogues raisonnés orientaient les lecteurs. Ce fut un des mérites du poète Callimaque, dont vous avez certainement entendu parler, peut-être même traduit certains épigrammes, mais Callimaque n'a pas été que l'auteur d'épigrammes, il a aussi joué un rôle dans l'administration et la gestion de cette bibliothèque. Il a fait rédiger l'essentiel de ces catalogues, qu'on appelait les tableaux, en grec, pinakes. Les ouvrages y étaient énumérés par rubriques, selon les genres littéraires ou les branches du savoir, mais aussi par auteur, chaque nom étant accompagné d'une notice biographique. Comme ce répertoire embrassait l'ensemble des écrivains qui ont brillé dans tous les domaines de la culture et la liste de leurs œuvres, on mesure quel formidable travail il avait coûté à celui qui l'avait dressé. C'était assurément un bilan complet, ou quasi complet, de la littérature et de la pensée grecque que Callimaque avait établie. Rien n'illustre mieux la place fondamentale que l'érudition devait occuper désormais dans la civilisation hellénistique. J'insiste bien sur le mot érudition. À l'imitation des Lagides, d'autres souverains favorisèrent l'installation de bibliothèques publiques. Et j'insiste aussi sur le mot public, parce que jusqu'alors, il y avait des bibliothèques, mais elles étaient plutôt privées. Et à Rome, c'était le cas aussi. Il faudra attendre l'époque de César, nous en reparlerons, pour qu'il y ait enfin des bibliothèques publiques. Ce fut le cas à Pergame, où les Attalides se montrèrent des mécènes généreux, en particulier au second siècle avant notre ère. C'est là que, sous Eumène II, on développa la fabrication du parchemin, dont le nom même, vous le savez, vient de celui de Pergame, afin de concurrencer le papyrus, dont l'Égypte, l'Agide, détenait alors le monopole. Mais le grand succès de ce nouveau support matériel pour l'écriture, qui rappelait les diphtères, ces peaux de chèvre tannées, employées par les plus anciens Grecs avant qu'ils ne connussent le papyrus, ne s'affirma pas avant l'époque du Bas-Empire. Au nombre des bibliothèques de cour, on peut compter encore celle d'Antioche, chez les Séleucides, mais aussi celle de Pella, dans le royaume de Macédoine. Même Mithridate VI Eupator, qui avait bien d'autres soucis, eut à cœur de ne pas négliger cette forme de mécénat chère aux souverains du Proche-Orient antique. Mais on trouvait aussi des bibliothèques dans des cités modestes, comme celle de Nyssa, en Carie, qui compta Strabon parmi ses plus prestigieux lecteurs, ou celle encore de Tauromenion, Taormine, en Sicile, dont un catalogue fragmentaire est parvenu jusqu'à nous. La multiplication des bibliothèques et la diffusion croissante des livres supposent enfin, faut-il le rappeler, le travail patient des philologues, qui, au musée d'Alexandrie ou dans des établissements similaires, s'attachent aux textes anciens pour les établir à la lumière d'une critique exigeante, supprimant les interpolations, restituant les formes authentiques que les copistes antérieurs avaient modifiées, éclairant les difficultés d'interprétation. Pourtant, c'est l'introduction à Rome des écrits d'Aristote. Vous comprendrez maintenant pourquoi il y a eu cet excursus préliminaire qui favorisa l'essor en Occident de l'encyclopédisme. Sans doute un premier groupe des œuvres d'Aristote, celles qu'on appelle les œuvres exotériques d'Aristote. Alors, cette différence, vous savez peut-être, entre exotérique et ésotérique ne doit pas être prise dans le sens du mysticisme. Ça veut dire tout simplement, les œuvres exotériques, c'est celles qui sont accessibles à un public, je dirais, non spécialisé encore. Et les œuvres ésotériques, il faut avoir fait un certain nombre d'années d'études pour avoir le niveau intellectuel, scientifique, moral, pour aborder leur étude. Donc, il y a une différenciation, si vous voulez, au niveau de la formation du public. Donc, les œuvres qu'on appelle les œuvres exotériques d'Aristote, elles sont aujourd'hui perdues, sauf quelques fragments.
Elles ont été, je crois, présentées par. C'est celle de ce que Ettore Bignone appelle l'Aristotele perduto. Alors, effectivement, c'est perdu. Bon, il y a des fragments tout de même. On a un peu une idée de leur contenu. Elles consistaient en dialogues philosophiques. Mais des dialogues philosophiques, si vous voulez, à la manière des dialogues du jeune Aristote ou du jeune Platon, qui suscitait l'admiration. Alors, ces œuvres sont perdues pour nous, mais elles étaient encore connues à l'époque cicéronienne. Cicéron les avait lues et ne ménage pas son admiration enthousiaste pour, je cite, « la suavitas » de leur style. Alors nous, évidemment, on est forcé de croire Cicéro sur parole. Nous n'avons plus ces textes, on ne peut pas se rendre compte de leur valeur esthétique et littéraire, mais enfin c'était des œuvres qui étaient, du point de vue philosophique, on ne peut pas dire que c'était des œuvres hard, si vous voulez, comme les analytiques d'Aristote, dont la lecture est assez difficile, etc. C'était des œuvres, si vous voulez, pour un grand public cultivé, et pour l'amener à la réflexion philosophique. Quant aux œuvres d'Aristote qui appartiennent au second groupe, celles des œuvres dites ésotériques, un récit hautement romanesque s'était répandu dès l'Antiquité sur les circonstances de leur transmission. Alors je dis tout de suite, ce récit, il faut le prendre avec des pincettes. Il relève plus du romanesque que de la vérité historique. Mais enfin, il mérite tout de même qu'on en dise un mot parce que ça prouve, si vous voulez, que cette transmission des œuvres ésotériques d'Aristote n'a pas été quelque chose de facile. Les manuscrits d'Aristote et de Théophraste auraient été, je dis bien, je mets ça au conditionnel, auraient été légués par ce dernier, donc par Théophraste, à son ancien disciple Nélée. Et des héritiers de Nélée, qui eux étaient des gens ignorants, les auraient enfouis dans une cave de Skepsis pour les soustraire à l'avidité bibliophilique des rois de Pergame. Longtemps après, au 1er siècle, avant notre ère, leurs descendants les auraient vendus à prix d'or au péripatéticien Apellicon de Théos qui les transporta à Athènes. Finalement, au cours de la guerre contre Mithridate, au début du 1er siècle avant notre ère, Sylla s'empara de la bibliothèque d'Apellicon de Théos qu'il transporta à Rome, où elle fut achetée par le grammairien Tyrannion. Il y a un chapitre entier de ma thèse qui porte sur l'influence de Tyrannion sur Varron. C'était un homme, alors on appelait grammairien, grammaticos, quelqu'un qui était, c'était plutôt un philosophe, un érudit, un encyclopédiste, un conseiller diplomatique. Enfin, il cumulait pas mal de casquettes, si vous voulez. Il a joué un rôle important dans la transmission de ses œuvres. C'est de lui, en effet, que le dernier scolarque du lycée, Andronikos de Rhodes, acquit les copies qui lui permirent de publier. Alors la date ne fait pas consensus. Moi je pense que c'est au début des années 60. J'ai d'autres collègues à Strasbourg qui considèrent que c'est plutôt la fin des années 60. À chacun, si vous voulez, sa vérité. Ça ne change pas grand-chose, si vous voulez, à la transmission de ses œuvres à Rome et à l'importance qu'elles ont eues. La première édition des œuvres ésotériques d'Aristote et de Théophraste date donc, on va dire, de la décennie 60-50, quelque chose comme ça. Ce récit, évidemment, dont je vous ai rappelé les grands traits, est partiellement invraisemblable. On comprend mal, en effet, que le lycée d'Aristote, son école de référence, qui subsista sans interruption après Aristote, se soit laissé ainsi dépouiller des manuscrits du fondateur de l'école. Par ailleurs, on a conservé un catalogue d'œuvres d'Aristote remontant à Ariston de Chéos, fin du IIIe siècle avant notre ère, selon lequel était déjà en circulation à cette époque, quoique sous un autre intitulé et dans un autre groupement, les textes qu'on lit aujourd'hui. Il reste que la première grande édition des œuvres d'Aristote, et notamment des œuvres ésotériques d'Aristote, celle que nous connaissons aujourd'hui, est l'édition d'Andronikos de Rhodes, même si c'est lui qui, pour en accentuer la nouveauté, a répandu la légende qui a été rapportée plus haut.
Je pense que c'est une légende qui a été inventée, enfin inventée ou qui a été arrangée, si vous voulez, aux fins de promotion de cette édition. Du reste, une autre grande étape de l'encyclopédisme romain naissant avait été franchie un siècle plus tôt, au lendemain de la guerre contre Antiochus IV. C'est ainsi que, par le biais des affaires d'Orient, les Romains prirent une connaissance plus directe et plus profonde de la véritable culture grecque, celle des livres. Sur le butin conquis après Pydna, je vous rappelle, c'est en 168, le général romain Paul Émile avait retenu que la bibliothèque du roi Persée de Macédoine, que la bibliothèque du roi Persée de Macédoine, ce qui est tout de même extraordinaire. Voilà un général romain qui est censé être une espèce de personnage abruti, n'ayant aucun sens de la culture, mais qu'est-ce qu'il retient ? Eh bien, il s'intéresse à la bibliothèque du roi Persée de Macédoine. Tout de même extraordinaire, ça. Avec le dessein avoué de l'offrir à ses fils. Et parmi les fils de Paul Émile, je vous rappelle, il y a le futur Scipion Émilien. Bon, entre-temps, il changera de famille, mais enfin, c'était tout de même son fils par le sang. Du reste, le cadeau de Paul Émile joua un rôle considérable dans l'évolution de la mentalité romaine, et plus précisément dans la formation spirituelle et intellectuelle de la génération arrivant alors à l'âge d'homme. Sans doute, la bibliothèque de Pella, c'est la capitale de la Macédoine, je vous rappelle, ne pouvait-elle se comparer à celle d'Alexandrie ou même de Pergame. Mais on ne doit pas oublier que moins d'un siècle et demi plus tôt, la cour de Philippe II de Macédoine avait été la résidence, vous le savez, d'Aristote, dont la curiosité s'étendait à toutes les connaissances humaines. Donc on peut tout de même penser, supputer avec une certaine vraisemblance que cette bibliothèque était très largement fournie. On peut en dire plus, mais c'est toujours ça. D'un seul coup, les fils de Paul Émile, parmi lesquels, je vous rappelle, figure donc le futur Scipion Émilien, et autour d'eux les jeunes aristocrates romains, eurent à leur disposition les œuvres de la pensée grecque classique. Peut-être les travaux les plus récents de l'érudition, qui avaient vu le jour dans les cercles d'Alexandrie, d'Athènes ou d'Asie mineure, ne se trouvaient pas dans ces collections, c'est possible. Mais l'essentiel des socratiques y figurait certainement. On sait aussi l'amitié qui avait lié Antigone Gonatas, le fondateur de la dynastie macédonienne, et le philosophe stoïcien Zénon de Citium. Il est impensable que cette bibliothèque ne comprit pas une section importante consacrée aux travaux des maîtres du portique. Parmi tous ces ouvrages, ceux de Xénophon semblent avoir été l'objet de la prédilection de celui qui deviendra le second Africain, que j'ai déjà nommé Scipion Émilien, né du premier mariage de Paul Émile, et passé ensuite dans la famille, par adoption, dans la famille des Cornélie Scipiones. La découverte de la Syropédie et de l'Anabase, ça doit vous dire quelque chose, ces textes tout de même, venait au moment opportun. On imagine l'effet de cette prose limpide, de ces romans animés de sentiments simples et magnifiques, sur l'imagination d'un jeune Romain à qui ces deux familles successives, celle des Aemilii, qui est la famille par le sang, et celle des Cornélii, qui est celle de l'adoption, donnait déjà quantité d'exemples d'héroïsme et de grandeur. Rien d'étonnant dès lors que dans l'éducation de Scipion Émilien, les Grecs valeureux, les Grecs illustres pourrait-on dire, dont Xénophon racontait l'histoire, aient tenu une place tout à fait éminente. D'ailleurs, le jeune homme ne manqua pas d'établir des parallèles entre eux et les hommes de sa propre patrie. Le premier Scipion, Scipion l'Africain, dans son épopée espagnole, avait certainement songé à Alexandre, en imitant et même en surpassant ses vertus.
Son petit-fils par adoption, Scipion Émilien, se complaisait à évoquer la figure très humaine de Cyrus, et son idée de la gloire se teintait des nuances de la pensée philosophique et morale grecque. Si par quelque hasard de la guerre, Paul Émile avait pu ramener à Rome les bibliothèques plus savantes d'Alexandrie ou de Pergame, il est probable que la masse des commentaires et des œuvres philologiques eût certainement découragé les plus hardis lecteurs romains parmi ces jeunes gens appelés à prendre la direction des affaires romaines. Tandis que la bibliothèque de Pella, qui comportait des romans, des œuvres plus légères, des exemples in situ et non pas des dissertations abstraites sur des notions philosophiques, avait évidemment plus de chances d'intéresser les Romains. Au contraire, la bibliothèque plus modeste, donc, comme je l'ai dit, des rois de Macédoine, riche surtout des œuvres classiques de la Grèce, exerça une action profonde sur la classe dirigeante romaine, à un moment où le contact que sa jeunesse avide de savoir et ivre de pouvoir avait eu directement avec la culture grecque, amenait les meilleurs esprits à tourner les regards vers l'hellénisme un peu brouillon de l'époque contemporaine. Mais c'est au créateur de l'encyclopédisme romain antique, Varron, je vous rappelle ces dates, né en 116, mort en 27, avant Jésus-Christ, qu'il convient à présent de s'intéresser. Nommé par César en 47, directeur des bibliothèques publiques de la ville, avec pour mission, je cite Suétone, oui, dans la vie de César, d'acquérir, de classer et de mettre à la disposition du public des bibliothèques grecques et latines aussi riches que possible, fin de citation, le Réatin éprouva la nécessité intérieure de publier de véritables sommes qui condenseraient la substance des livres des bibliothèques dont il avait la responsabilité. Significatif à cet égard est le témoignage de la lettre 33 de Jérôme, donc Saint Jérôme, à Paul, le futur Saint Jérôme à la future Saint Paul. Ambitieux catalogue comparé des œuvres de Varron et d'Origène, où l'exégète bibliste, Jérôme, prétend défendre et illustrer les grands travailleurs contre les hédonistes impénitents, amis de la vie facile et du plaisir. Et de fait, au panégyrique du savant chrétien répond comme en contrepoint un éloge du fondateur de l'encyclopédisme romain, aussi bien profane que sacré. J'ai nommé Varron. Alors je vous lis la traduction rapidement d'un passage de cette lettre. Cette traduction, je crois, non, elle n'est pas mienne, elle est du chanoine Labour, si je me souviens bien, qui a édité ce texte dans les années 50. L'Antiquité admire Marcus Terentius Varron, dit Jérôme, d'avoir, chez les Latins, écrit des livres innombrables. Les Grecs exaltent Calcanter de louanges magnifiques, parce qu'il a composé tellement de livres que nul d'entre nous ne pourrait suffire à les copier s'ils avaient été composés par autrui. Il serait présentement oiseux de dresser pour les Latins un catalogue de volumes grecs. Mais je vais rappeler quelques œuvres de celui des deux, donc en l'occurrence de Varron, qui a écrit en latin. Pour que nous comprenions, dit Jérôme, que nous dormons du sommeil d'Épiménide et qu'il faut appliquer un zèle égal à celui qu'ils ont déplacé pour l'instruire des lettres profanes, à rassembler nos propres richesses. Donc c'est une invitation qui est faite par Jérôme, au fond, à créer un encyclopédisme religieux et profane, mais chrétien, construit sur le modèle de l'encyclopédisme profane et sacré, imaginé, créé, mis au point par Varron. Alors, je sais bien que les catalogues ont toujours quelque chose de fastidieux, et je sais aussi avec Stendhal que pour faire rire, il faut des détails. Mais nous n'en rirons pas parce que c'est tout simplement prodigieux. Et vous avez ici une sorte de résumé. Alors, ce n'est pas le catalogue complet des œuvres de Varron,
parce que Varron a encore vécu quelques années après le moment qui est la source de saint Jérôme. Mais enfin, rien que cela déjà vous donne une idée. Alors je le cite en vrac et ensuite on essaiera de le commenter. 45 livres d'antiquité. Alors ces 45 livres d'antiquité, ce sont les antiquités humaines et divines. Alors si je me souviens bien, il y a un livre d'introduction, il y a 24 livres d'antiquité humaine et 16 livres d'antiquité divine. Ça fait 24 plus 16, ça fait 40 plus 1. Ah oui, je suis pas. Non, 24, pardon. Un livre d'introduction, 24 livres d'antiquité humaine, ça fait 25, et 16 livres d'antiquité divine, ça fait bien 45. 4 livres de la vie du. Alors, je vais donner la traduction française, de la vie du peuple romain, nous en avions parlé vendredi, c'est le De Vita Populi Romani, 4 livres. Vous avez rappelé qu'au livre 4. Varron avait notamment stigmatisé le rôle de Pompée dans le déclenchement de la guerre civile entre Pompée et César. Ensuite viennent 15 livres de portraits. Portraits, donc, c'est le De Imaginibus, dont j'aimerais bien vous parler. Enfin, je vais vous dire un mot, de quoi s'agit-il. Si vous regardez les histoires de la littérature latine, on vous dira que c'est le premier livre illustré de la littérature latine. Bon, moi je suis toujours très prudent, parce que jusqu'au jour où on trouvera qu'il y en avait un autre. Bon, mais enfin, c'est possible. Alors, de quoi s'agissait-il ? C'était 700 portraits d'hommes illustres, aussi bien grecs que latins, illustres dans le domaine du pouvoir, c'est-à-dire des hommes politiques, des hommes d'État, que dans le domaine du savoir, et qui étaient présentés sous la forme de fiches, fiches du genre format A4, avec au milieu une, j'allais dire une photo, non, une image peinte, une miniature peinte. Il y avait des peintres spécialisés, hein, des peintres miniaturistes, et même des femmes, nous dit Varron, notamment une certaine Yaya de Cyzique, qui était particulièrement habile pour représenter. Donc, il y avait un portrait. Alors, est-ce qu'il était véridique ? Est-ce qu'il était stylisé ? Je n'en sais rien, nous n'avons pas conservé. Et en dessous, il y avait une épigramme qui résumait en 3 ou 4 vers l'essentiel de l'œuvre scientifique ou de l'œuvre politique et administrative du personnage en question. C'était des sortes de fiches, si vous voulez, signalétiques, qui étaient faites de cette manière. Alors bon, ça j'en ai parlé ailleurs, hein, je l'ai cité, j'ai fait ça il y a déjà, ça fait 20 ans, hein, je me souviens, c'était au congrès Budet de Limoges, où j'avais présenté une communication intitulée, que j'ai mis, « Biographie et iconographie dans le De Imaginibus de Varron ». Voilà. Ensuite viennent, dans ce catalogue, 76 livres de Logistoriki. Je ne vous en redis pas, puisque je vous ai déjà parlé de cela vendredi. 25 livres De Lingua Latina, sur la langue latine. Alors ça, c'est un traité de linguistique extrêmement intéressant, mais dont nous avons conservé intégralement le livre 5, édité par Jean Collard. Le livre 6, édité par comment il s'appelle, Pierre Flaubert. Et puis les autres livres sont sous forme de fragments, plus ou moins nombreux. Mais enfin, on a tout de même 2 livres intégralement conservés. Sur 25, c'est pas beaucoup, vous me direz, mais enfin, c'est mieux que rien, tout de même. On peut se faire une idée du contenu de cet ouvrage qui a été publié, ça on le sait, en 45 avant Jésus-Christ. 9 livres relatifs aux arts libéraux. Alors ça, je ne sais jamais comment il faut les appeler, parce que certains traduisent par encyclopédie. Oui, bon, moi je veux bien. Ce sont plutôt les disciplines. Moi, je préfère la traduction par les disciplines. Parce qu'en latin, c'est Disciplinarum Libri Novem. Alors pourquoi 9 ? Parce que Varron a eu la coquetterie d'ajouter aux 7 disciplines traditionnelles des arts libéraux une 8e qui est peut-être, qui est mi-spéculative, mi-opérative, qui est la médecine, et une 9e, également mi-spéculative, mi-opérative, qui est l'architecture. Pour arriver au chiffre de 9 qui coïncide avec le nombre des muses, etc. etc. Bon. Puis en plus, il aimait bien l'arithmologie pythagoricienne, donc voilà. Donc 9 livres relatifs aux arts libéraux, finalement, si j'avais à le raison, je dirais intitulé les disciplines. Ce sont les matières dignes d'être enseignées à un homme de condition libre, et parmi ces matières, il y en a 9. 5 livres De Sermone Latino, du latin parlé, 5 livres de questions plotiniennes. Alors ça, c'est de l'exégèse des comédies de Plaute, et surtout
de leur authenticité. Hein, quelles sont les pièces qui sont authentiquement de Plaute, quelles qui sont non pas de Plaute. Et il y a toute une... Ma femme est plus experte dans ce domaine-là. Elle a travaillé justement dans le domaine de la critique littéraire. Je veux dire, moi, ça m'aurait donné des maux de tête épouvantables de faire ça. Je n'aurais pas eu la patience qu'elle a eue de faire ça. Mais enfin, bien. Trois livres d'Annales. Ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Nous sommes à Rome. Atticus, qui a écrit un Liber Annalis. Il y a toute la tradition analytique. Enfin, bon. Martine Chassinier pourrait vous en parler plus savamment que moi. En plus, d'ailleurs, on n'a pas gardé grand-chose de ces Annales, mais enfin, je pense que c'était vraiment de l'historiographie romaine, j'allais dire, sans doute contemporaine, sous forme d'Annales. Trois livres sur l'origine de la langue latine, De origine linguae latinae. Trois livres sur les poèmes, là aussi, je vous renvoie à la thèse de ma femme qui en a parlé. Trois livres sur les origines du théâtre. Trois livres des pièces de théâtre. Trois livres de la division des pièces en actes. Alors ça, c'est très alexandrin. Hein. Je vous rappelle, vous savez très bien que un des aspects de la critique littéraire des alexandrins, ça a été justement Il y a eu beaucoup d'autres apports, mais enfin, c'est un des plus connus. Ça a été de subdiviser les pièces en actes et en scènes, alors qu'avant, elles étaient dans une espèce de continuum. Trois livres sur les descriptions, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Trois livres, ça c'est déjà plus intéressant pour Rome, et c'est très romain, n'est-ce pas ? De la propriété littéraire, donc vous voyez, ces questions de propriété littéraire, on ne les a pas inventées au XXe siècle. Trois livres des bibliothèques. Alors ça, c'est évidemment contemporain de l'époque où Varron a été amené à organiser, à créer les premières bibliothèques de Rome. Là aussi, ma femme a disserté là-dessus. Il y a un texte qui va paraître dans la revue Ausonius bientôt, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Trois livres de lecture publique, donc de recitationes. Trois livres de la ressemblance des mots. C'est plutôt de la lexicographie assez hard. Trois livres que certains traduisent par des députations. J'aurais pu mettre des ambassades, parce que Varron a également participé dans le sillage de Pompée à des négociations diplomatiques, notamment avec certaines cités d'Orient. L'Orient qui était déjà compliqué à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui, et pour lequel les Romains avaient besoin de gens qui connaissaient, etc. Alors Tyrannion a sans doute joué également avec Varron un rôle, parce qu'il connaissait bien l'Orient. Et alors on prenait des intellectuels du pays, qui connaissaient le pays, les habitudes, les personnes, et qui jouaient le rôle d'intermédiaire. Il a écrit aussi trois livres de discours persuasifs. Alors là, nous sommes dans le domaine de la rhétorique, puisque vous savez que la rhétorique, c'est l'art de persuader, entre autres. Trois livres au sujet de Pompée, dont il a été le lieutenant, l'ami, très longtemps, jusque pratiquement à Pharsale, le 9 août 48, et qu'il a ensuite, abandonné, parce que... Bon, il avait peut-être commencé déjà un peu avant, parce qu'il voyait en Pompée quelqu'un qui avait été un fauteur de troubles de guerre civile, enfin, sans doute César aussi, mais Pompée également. Hein, il ne faut pas blanchir Pompée et noircir César. Leur responsabilité était largement partagée. 10 livres que j'ai traduits par... Alors, dans le texte latin, c'est monobibloi. Alors, moi, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mieux que de mettre unilivresque, donc des traités en un seul livre, parce que généralement, les traités sont en plusieurs livres. 2, 3. Mais enfin, il y a des traités qui sont en un livre. Prenez le De Fato de Cicéron, c'est un livre. Le De Divinatione, c'est 2. Et le De Natura Deorum, c'est 3. Mais enfin, là, ce sont des traités en un livre, peut-être pour ne pas effrayer les Romains. Là aussi, c'est pareil, parce que des traités philosophiques, ce sont des traités savants. Alors, on écrit un livre en se disant qu'ils vont peut-être tout de même en lire la moitié, mais pas en écrire 3 qui auraient rebuté les Romains, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Ça, c'est une donnée constante à Rome. 3 livres sur les personnes juridiques, si c'est ainsi qu'il faut comprendre le titre. Hein. Des personis, moi je pense qu'il faut le comprendre par des personnes juridiques. Grimal, lui, considère que c'est le sens originel de persona, le masque de l'acteur. Moi, je ne le crois pas. Je suis très souvent d'accord avec Grimal, mais sur ce point-là, je ne pense pas. Parce que, lui, la proximité, ça relève du droit.
c'est la notion de personne juridique. Or, vous savez que la notion de persona est une notion qui commence à devenir tout à fait prégnante, pertinente, importante à Rome, à la fin de la République et au début de l'Empire. Dans le domaine du droit, dans le domaine de la théologie, dans le domaine, j'allais dire, politique, c'est la notion de persona au sens de personne juridique. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le traduire. 15 livres sur le droit civil, un résumé alors en 9 livres. Alors ça c'est intéressant parce qu'il a publié des sommes, mais se disant que les Romains allaient être rebutés par ce nombre de livres, il produit lui-même des épitomées, des résumés. Alors, résumé en 9 livres du traité sur la langue latine, 9 livres sur les... il y a ensuite 9 livres sur les principes des nombres, De Principiis Numerorum, qui est sans doute un traité d'arithmologie pythagoricienne, 3 livres d'économie rurale, alors là, j'aurais plutôt dû dire 3 livres... trois livres sur l'agriculture, parce que je pense que c'est un dialogue philosophique sur l'agriculture. Bon. Un livre sur la conservation de la santé, De valetudine tuenda. 3 livres d'autobiographie. Alors l'autobiographie, qui est un genre littéraire typiquement hellénistique, n'est-ce pas ? Je vous renvoie à tous les travaux qui ont été consacrés à l'engenre ou sous-genre littéraire, qui sont très importants. Alors comment ça se dit autobiographie en latin ? C'est de suavita. Un tel écrit De suavita au sujet de sa propre existence. Alors nous avons gardé quelques fragments dont certains sont importants. Il y en a un notamment, ça je vous le dis tout de suite, qui m'a particulièrement intéressé. Il y a un compte-rendu assez long qui est reproduit, dont le citateur est Apulé dans l'Apologie, et qui relate la destruction ordonnée par les autorités politiques de Rome, le Sénat en l'occurrence, des hôtels isiaques qui avaient commencé à fleurir, si je puis dire, sur les pentes du Palatin, dans les riches demeures privées des Romains. Alors, j'allais dire, la soldatesque romaine venait, détruisait, et le lendemain, ces hôtels étaient évidemment reconstitués. Parce que, évidemment, on n'éradique pas le sentiment religieux par la force, j'allais dire, policière. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, il y a un compte-rendu, et ce compte-rendu m'a donné à penser que, vu les détails que donne Varron, que Varron était certainement membre du collège des Quindecim Viri Sacris Faciundis, c'est-à-dire de ce collège de prêtres chargé de superviser l'introduction des cultes, la destruction des cultes étrangers à Rome. Il a certainement fait partie, et c'est pour ça que ça se trouve dans son autobiographie, parce qu'il y a joué un rôle important. Gageons que Varron ne devait pas être un chaud partisan du développement des cultes isiaques à Rome à cette époque-là. Il reproduisait la doxa romaine stricte en la matière, qui était de se limiter aux cultes existants. Donc, son autobiographie, c'est assez intéressant, les quelques passages qu'on en a gardés. 3 livres d'un tableau de la philosophie, alors là, on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que ça devait être ? Je n'en sais rien. 3 livres d'économie urbaine, 150 livres de satire Ménipée, ça, je vous en ai parlé de la dernière fois, 150 livres, dont on a conservé de nombreux fragments qui ont été excellemment, je le rappelle, édités par Jean-Pierre Seb sous forme de 13 volumes de la bibliothèque de l'École française de Rome, entre 1973 et puis le dernier, je crois, en 2011, quelque chose comme ça. 10 livres de poèmes, on n'en sait pas plus, 22 de discours, importance de la rhétorique. C'est sans doute des discours qu'il avait lui-même prononcés au cours de ses différentes missions, parce que bon, même s'il n'est pas devenu consul, parce que ça ne l'intéressait pas, il a tout de même été prêteur, il a exercé des missions diplomatiques, etc. Bon. Et puis, 6 livres de pseudo-tragédie. Et enfin, 4 livres de satire, ben, nous sommes à Rome, satire, satura tota nostra est, la satire est tout entière nôtre, évidemment, il a sacrifié à ce genre littéraire également. Alors, l'auteur poursuit, donc Jérôme poursuit, et beaucoup d'autres dont l'énumération serait trop longue.
J'ai à peine transcrit la moitié de la liste et les lecteurs en sont déjà fatigués. J'espère que vous ne l'êtes pas non plus. Bon. Adepte d'une pédagogie de l'exemplarité qui propose à ses élèves les modèles d'excellence de la science païenne, Jérôme adresse à Paul comme si, pardon, s'adresse à Paul comme si l'inventaire des écrits varoniens avait une fonction paradigmatique, tant il est vrai que dans son esprit, la fécondité du labeur fourni par le Réatin doit servir de référent majeur à la constitution d'une encyclopédie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spécifiquement chrétienne. Encore convient-il, pour apprécier la valeur d'un tel document, d'identifier sa source. On ne manquera pas d'y voir avec Alfred Klotz. Alors je me suis intéressé à ce regard parce que j'ai eu la chance de trouver à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui avait été richement dotée à l'époque où Strasbourg était allemande, entre 1870 et 1918, évidemment tout ce qui pouvait être publié. Et ce brave Klotz, je crois qu'il était même professeur à l'université de Strasbourg, mes ancêtres, professeurs de latin, s'étaient intéressés à cette question, mais ça je l'ai découvert tardivement, en écrivant « Der Katalog der Varonischen Schriften » dans la revue Hermès de 1911. Alors ce texte est très intéressant, c'est un travail d'excellente qualité qu'il a fait, et c'est lui qui a remarqué, et je lui rends hommage, je ne vais pas m'attribuer une découverte que je n'ai pas faite, dont je ne suis pas l'auteur, il a supputé, et je pense avec raison, qu'un passage du livre, il a essayé de voir justement, un passage du livre d'introduction au traité des hebdomades du Réatin, c'est dans le document, hein, ce fameux document. Oui, il considère que ce catalogue, si vous voulez, des œuvres de Varron, qui a été transmis par, figurait sans doute en introduction au traité varonien des hebdomades dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de ces 700 portraits d'hommes illustres de savoir et de pouvoir à Rome. C'est vraisemblable. Alors pour moi, c'est intéressant, parce que ça me permet, et moi j'adhère totalement à la démonstration, je la fais mienne, mais évidemment je l'attribuerai à Klotz, hein, rassurez-vous, je ne vais pas m'attribuer ce qui n'est pas à moi. Mais enfin, je pense qu'il a raison, c'est certainement l'introduction du traité des hebdomades, dans lequel, évidemment, Varron a appelé. Oui ? Il reste 10 minutes. Ça suffira. Oui, ça suffira. Ça suffira. Ça suffira. Rassurez-vous. Ça suffira. Dans cette préface, où il dissertait conformément à la doctrine de Pythagore sur les propriétés universelles du nombre 7, depuis les mouvements des astres au ciel jusqu'à la conception de l'embryon humain, aux âges de la vie et aux jours critiques dans l'évolution des maladies, Varron avait révélé deux informations de caractère personnel, voire confidentiel, touchant la première son âge, 77 ans révolus, la seconde l'état récapitulatif de ses ouvrages, au moment de l'achèvement des hebdomades ou portraits. L'idée d'une élaboration varonienne du fameux catalogue remployé par Jérôme implique, chez le Réatin, penseur épris d'ordre, le respect de principes classificateurs très stricts, dont il s'agit à présent d'examiner les fondements, aussi bien théoriques que méthodologiques. Alors ça, je vais passer là-dessus, non pas que ça n'ait pas d'intérêt, mais enfin, c'est une sorte de commentaire, si vous voulez, où j'essaye de regrouper, si vous voulez, les ouvrages qui sont un peu présentés en vrac, mais qui méritent d'être regroupés, parce que l'ordre, si vous voulez, y est plus logique que chronologique. Voilà ce qu'on peut en dire. Enfin, je terminerai, si vous voulez, puisque je suis dans la naissance de l'encyclopédisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Si on voulait étudier l'encyclopédisme romain, il faudrait aller au moins jusqu'à Isidore de Séville, ce que je n'ai pas le temps de faire, et ce que je n'ai pas l'intention de faire d'ailleurs. Dans le sillage de ce premier encyclopédisme romain, tant profane que sacré, s'inscrit l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, monument de la science antique, dû à un auteur qui avait déjà composé une biographie. Il ne faut pas oublier, il n'a pas écrit que l'histoire naturelle. Deux ouvrages d'histoire ainsi que des travaux sur l'éloquence et la grammaire. Donc Pline l'Ancien est un encyclopédiste au sens premier. De même, je signale que Suétone, malgré ses vies des 12 Césars, qui d'ailleurs ne font pas de lui un historien mais un biographe, n'est pas un historien, mais en dépit de la thèse de Jean Gascou, qui a écrit Suétone historien, qui est une très bonne thèse par ailleurs, mais il aurait dû mettre un point d'interrogation. Ce n'est pas un historien, c'est un encyclopédiste romain dont nous avons conservé l'œuvre, la partie, si vous voulez, biographique,
qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça ne fait pas de lui un historien. Ainsi, Pline, qui à un certain moment de sa vie avait étudié le langage et l'art de la rhétorique, ne se préoccupa plus que de découvrir les secrets de la nature, c'est-à-dire de l'existant, et de les transmettre. Il faudra d'ailleurs traduire « historia naturalis », non pas par « histoire naturelle », vous le savez, mais par « enquête sur la nature ». Ce serait plus juste. Dans la dédicace de l'histoire naturelle qu'il fait à Titus, il rappelle que, donc, il pense à Aristote, à Théophraste et à bien d'autres qui constituent ses sources et dont il publie la liste, d'ailleurs, très consciencieusement pour chaque chapitre de son livre. Son but ultime est d'assurer, dans le domaine de la connaissance, la gloire du peuple romain plutôt que la sienne propre. Un tel sentiment porte la marque de son époque. Il traduit l'ambition d'universalité proclamée de manière récurrente dès le début du Principat et qui transparaît, par exemple, dans les Res Gestae d'Auguste. Mais tandis que cette ambition a pour effet d'annexer la pensée romaine à l'hellénisme, de considérer que la culture romaine n'est qu'une province de celle-ci, Pline, au contraire, revendique pour Rome le droit à l'autonomie culturelle. Et de fait, son histoire naturelle veut être essentiellement une mise au point des connaissances humaines. Aussi aborde-t-elle toutes les branches du savoir, la médecine avec son annexe l'étude des plantes médicinales, la zoologie, la religion, l'histoire, la nature de l'univers, l'astrologie, le droit, sans oublier l'esthétique et les beaux-arts, les fameux livres 34, 35 et 36 de Pline. Elle veut être une contribution à cet inventaire du monde, pour reprendre le terme de Nicolet, entrepris dès les premiers temps du Principat. Je m'arrêterai là, parce que pour le détail, vous pouvez le trouver ici, et ce sont peut-être des choses que vous connaissez, il suffit de regarder, ce n'est pas sacrilège que de sacrifier là, maintenant, si je puis dire, le plan de cette œuvre que par ailleurs vous connaissez sans doute. Mais je tenais, si vous voulez, à essayer de vous montrer comment on arrive, si vous voulez, de l'encyclopédisme post-aristotélicien à l'encyclopédisme romain par étapes. Je ne vous ai pas parlé, alors certains pourraient peut-être me poser la question, je n'ignore pas que Caton l'Ancien est souvent considéré comme un encyclopédiste romain, et je crois qu'il l'est, mais c'est de l'encyclopédisme, je dirais, à finalité domestique. C'était pour l'institution, l'éducation de son fils, comme un peu Olugel le fera au IIe siècle de notre ère, c'est aussi pour l'institution de son fils. Donc, j'ai voulu me cantonner, si vous voulez, dans le domaine de l'encyclopédisme, j'allais dire presque public et non pas privé. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet encyclopédisme également catonien qui est intéressant à bien des égards et que ma collègue Martine Chassignier, déjà nommée, a évoqué lors d'un colloque qui s'est tenu en 1992 à Strasbourg. Je m'en souviens très bien, elle avait fait un excellent exposé sur l'encyclopédisme catonien. Voilà. Dixi. Merci beaucoup.